Here we go! Press start to play! Belle image. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play de Tomb Raider original. On est sur la version bien sûr remastered de Tomb Raider 2, sorti sur PS4 le 14 février 2024, et il vient tout juste d'avoir un ajout, une mise à jour. Donc pour l'instant, pour nous, sur le côté original, on ne voit pas la différence, mais je pense que ça se joue surtout sur le côté moderne du jeu avec le côté remaster. Du coup, on a fini, je rappelle, on a fini la première zone qui était la muraille de Chine, et on va y revenir plus tard, bien entendu. On a fini Venise en intégralité en faisant Venise, la cage de Bartoli et l'opéra. On a fait la plateforme avec la plateforme et je me rappelle plus l'autre nom du niveau. On a fait l'océan Adriatique, du coup, sur la plateforme, avec 40 points de fond, les pages du Maria Doria, les quartiers d'équipage, le pont, surtout qu'on a mis bien du temps à le finir. Et là, on est dans les montagnes tibétaines, parce qu'on doit aller, on va au Tibet, dans une sorte de monastère. On rappelle, à la fin de la plateforme pétrolière, on a croisé un moine qui venait d'ici, qui avait compris qu'en fait, que Bartoli était à la recherche d'un truc, d'un objet, comme son père était à sa recherche plus tôt, et c'est un objet légendaire que les moines protègent depuis des centaines d'années. Allez, du coup, j'ai trouvé la solution, en fait. Après, on était bloqué là. J'ai sauté trop tôt. Je vais encore baisser le son parce que j'ai l'impression que c'est un poil trop fort. Je sais pas si ça résonne, du coup. Allez. La dernière fois, en off, j'ai vérifié parce que je me dis je vais essayer de trouver quand même. Parce que je ne comprenais pas. Alors. Je crois qu'il y a un truc en bas. J'ai peur. Voilà, je le sais. Il y a bien un truc en bas, c'est bon, on a vu. C'est bon, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer maintenant. Je vais juste encore faire voir. Et je vais l'allumer maintenant parce que je pensais pas du tout que ça allait prendre. Se mettre comme ça. Désolé, c'est un début catastrophique. Y'a que dalle! J'ai fait ça pour rien! Voilà, je suis content! C'était le piège en fait. Donc, oui, donc il y a un patch qui est sorti du coup, clairement corrigé, qui a dû certainement corriger certains bugs, dont le nouveau secret qui a tombé dans 3 une fois qu'on a récupéré tous les secrets. Chose qu'on ne fera jamais. À part en trichant, je le rappelle. Et moi, mon but, c'est de ne pas tricher. On va finir la première fois du jeu. J'ai peut-être quand même faisant en mode original, mais ça servira peut-être de la solution. Parce que j'ai le cahier de solution, bien entendu. Du 3 pour avancer dans les niveaux, pour surtout faire les secrets. Mais voilà, donc du coup, il y aura accès à ce niveau. Il y a d'autres bugs qui ont été corrigés. Je crois même le bug de la cage de Bartoli pour les Uzi qui ont été corrigés. Je rappelle que dans la version originale, on voyait l'eau. Et dans la version remaster, en fait, on voyait rien, quoi. Attends, c'est là où je passe. On voyait rien parce qu'il y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de fond. Ils avaient oublié de rajouter l'eau. Tout simplement. Allez, je sauvegarde un petit coup. Je vais essayer de pas sauvegarder tout le temps non plus. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est malheureusement un niveau que je ne maîtrise pas. Donc. Voilà, comme là par exemple.
C'était à prévoir. Ah mais je pense qu'on va beaucoup mourir dans ces prochains niveaux. Parce que c'est quand même on arrive dans les niveaux les plus durs du jeu. On n'a pas fait encore le dernier. Alors je pense qu'il faut que je fasse un bon plongeon. Oui, j'ai un doute. Je gaspille des munitions pour sur ça là, c'est pas bon. J'ai pas réussi à atteindre cette plateforme, je suis allé trop loin, c'est ça. Ok. Donc, je pense que le but c'est d'arriver là-haut, parce qu'on a vu, il y a une sorte de motoneige. Je rappelle que la motoneige, on peut la. C'est une des nouveautés de ce jeu, c'est de conduire cette fameuse motoneige. Ah, c'est aussi une nouveauté, les stéréotypes maintenant qui vont nous tomber dessus. Okay. D'accord, on va y aller. Voilà, je le savais. Ah, j'ai senti le piège arriver. C'était sûr. Et de toute façon, je l'ai dit, on va mourir plein de fois. Ces niveaux sont extrêmement difficiles. Encore, on n'est pas encore dans la dernière phase du jeu. La dernière phase. Putain, je me suis fait avoir. Ah, je suis pas concentré. Je suis pas concentré et là, ça va me saouler. 7 minutes déjà et je meurs comme une merde, je crois. En fait, là où il faut aller, c'est là-bas en face. Il faut trouver le chemin pour y accéder. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas 36 000 chemins, comme on peut le voir. Alors attends, du coup je vais sauter ici parce que j'ai pas eu tout le monde taper. La caméra qui monte, elle est là, bien entendu. Au cas où, si j'avais pas compris, au bout de la 60e fois. Je sais pas comment j'ai fait pour échapper à ça. Mais on se regarde. Parce que là, si je meurs, je suis pas sûr de refaire deux fois la même chose. Ah, pour l'avoir le lance-patate, ça a été une épopée. Ok. D'accord, là, il faut aller en défense. Je sais pas, comment. On va voir. Putain, on peut peut-être accéder à ce point. C'est normal, je vais dire, tiens, il manque un truc. Excusez-moi. Allez, je reviens. Pas d'urgence, je le rappellerai plus tard. Ok. J'en étais où? Mais.
pas ce qu'il y a là. Putain, mais j'ai l'impression que j'avance, je crois que je tombe sur un secret en fait. Putain, je trouve pas le secret, j'avance dans le jeu. Sans savoir que j'avance dans le jeu. Ok, bah il y a un mur déjà. Alors attends. Je pense qu'on continue. Ah oui, oh oui, oh oui. Le petit bas sur le côté, tu sais, qui passe bien. Crème. Là, je pense que là, je dois avoir un secret, c'est pas possible. Oui, bah, il est là, regardez. Regardez-le, il me nargue. Je suis de l'autre côté. Tu as raison, il y avait un secret par là. Mais je suis de l'autre côté. Ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, au moins j'ai réussi à esquiver le truc. Très bien. Alors voilà, donc c'est ça le but, c'est d'arriver, j'arrive de l'autre côté. Et là, il faut grimper. Et surtout, il ne faut pas se louper. Bon. Ah. Oui, j'ai perdu la vie. Attends, pourquoi je fais ça alors que j'aurais pu directement aller en bas? Dans l'eau. Expliquez-moi. Ici de venir, tu sais. Ah, je sais pas, je peux pas suivre. Allez, va dessus. Ah, ok, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu pourquoi. J'ai vu pourquoi, et je vais le. Je prends la seconde garde parce que, comme ça, je perds pas trop de vie. Et je vais essayer de récupérer la troisième. Oui, je perds du temps. Le but c'est de récupérer la position qui n'est pas là. Parce que c'est une perte d'une zone. Voilà, c'est là. Là. Donc là. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, le saut je comprends. Ça me permet d'accéder à la plateforme avec la trousse de soins. Et ouais, le trousse de soins il m'en faut, il en faut parce que je n'ai pas d'état. Malheureusement. Comme j'ai. J'ai réussi à mourir. J'ai réussi à me faire transpercer pendant le saut. C'est magnifique. Sauta. Voilà. Tac. On va y arriver, on va y arriver à faire ce passage. On va arriver à faire ce niveau surtout. Donc on va éviter d'aller là où il y a les salamites, bien sûr. Et du coup c'est comme ça. Est assez importante. Et ouais, elle est juste là.
Ah, il y a une mise à jour de ça. D'accord. Je vais remplacer la petite correction à chaque fois. C'est pas mal, sérieusement. Donc maintenant, je vais s'exprimer un peu là-bas. Là, on sera très soin. Je crois que si je me trompe pas, mais on en monte à 7, donc ça va, je peux en utiliser une ou deux. Le problème, c'est que j'ai plus rien derrière. Et je veux pas, je veux avancer le plus possible dans le jeu sans utiliser de code de tri, ça veut dire sans utiliser le code pour avoir les munitions et les trousses de soins limitées. Je crois que c'est ça, hein, si je me semble dans le 2, c'est trousses de soins et balles limitées. Alors là, par contre, je n'ai aucune idée de. Où il faut aller. Je crois qu'on vient d'en face, non? Pourquoi il est mort là? J'en ai pas la moindre idée. Attends, on va s'en garder là, parce que là, je sais pas. Et le pire, c'est que je peux pas regarder des vidéos parce que la personne que je suis n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Bien entendu, j'ai un niveau d'avance sur elle. Je me mets comme ça peut-être. Alors, ah, peut-être sur le. Ah, sur le côté peut-être. Attends. Parce que du coup, j'ai vu, ça fait. Zip, zip. Ça fait un côté puis l'autre. Mais si je me mets sur le côté là. Non plus. Je sais pas où il faut sauter. Ici, haut. Ça, on va tous les faire. Mais j'en viens là, non? Attends. Ah, mais. Bah oui, j'en viens là. Je sais pourquoi il est là, lui. Je viens de là-haut. Qu'est-ce que je fais ici? Faut que je saute en face. Ouais, je sais pourquoi. Parce qu'on a fait tout le tour déjà. Attends, je comprends pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Du coup, je suis revenu là. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Je comprends pas trop. Là, je suis. Attends. Bah ouais, bah oui, je suis passé par là déjà. Mais je comprends pas. Alors, c'est pas là. C'est pas là qu'il faut passer. Oh, c'est relou, faut que je trouve le chemin. Ouais, non, mais c'est. Là, c'est relou parce que je vois pas où est-ce qu'il peut être le chemin, par contre. Pas du tout. Je suis pas du tout dans une nouvelle zone. Je reviens au début. Ouais, peut-être. Ouais, je vais avoir des points, on va essayer de comprendre. Le chemin qui est ouvert. Ah, ça me prépare à tomber vers 3. Tomber vers 3, c'est sans trop pire que ça. Ouais, parce qu'on vient de là. On vient de là. Ah, mais attends, il y a un chemin là. Quittez pas, je reviens. Même niveau parce que j'ai fait une petite coupure du coup. Parce que j'étais au téléphone. Alors, je crois que j'ai trouvé le chemin. J'ai gagné, je crois. Je crois que j'ai fait tout ça pour avoir une trousse de soins quand même. Ça, c'est pas un truc de fou.
je le rappelle, c'est en face qu'il faut aller en fait. Donc c'est maintenant que je me suis rendu compte qu'en fait je suis toujours du même côté depuis le début. Et que c'était pas normal. Ah non merde, il est mort lui. Voilà. Mon objectif c'est d'aller là-bas. Et là, j'ai vu qu'il y avait un chemin juste là. En fait, qui nous permettrait peut-être de grimper tout en haut. Donc je pense que le chemin il est là. Ah putain, je suis tombé. Donc là, pour l'instant, là, je peux pas y accéder, on est d'accord. Parce que c'est là-bas au fond qu'il faut aller. Allez, là, vas-y. Crois en toi. Là, je vais pouvoir se regarder. De toute façon, quand tu finis un niveau, on n'a pas le temps qu'on a mis. Ce sera scandaleux, je pense. Attends. Se regarder. Voilà, et si j'ai bien compris, le chemin il doit être là, en fait. Donc, je pense qu'il faut aller ici. Je sens là le chemin. Ah non, peut-être. Non, attends, peut-être faut que je ressorte. Ah, mais oui, non, faut que je ressorte là où il y avait la. Là, il y avait la trousse. Je pousse, moi, je suis quoi? Je suis peut-être. Voilà. En fait, là, d'accord, ouais. Ok. Ah. J'ai loupé. J'ai loupé, comme je sais pas, tout le monde tapé. Je suis refait à partir de là. Ah, le sang pourri. Caméra, bonjour. Non, du coup, c'est ça le trajet. C'est moi, je l'ai. T'allais dire que j'y étais tout à l'heure. En fait, j'avais pas compris que ça, c'était le début. Pourquoi j'arrive plus? Pourquoi j'arrive plus? Putain, j'ai arrivé tout à l'heure du premier coup. Là, j'arrive plus. C'est quoi ce bordel? La plateforme elle a disparu quoi? Ah, je suis court. J'étais court là, putain, en plus je l'avais la plateforme. Normalement, ça va être bon, je pense. Voilà, c'est là. Ça y est, on a enfin trouvé. Ah, il fallait le faire. Il fallait le faire. Attends, non. On va prendre le M16. Voilà.
munitions, madame. Alors. Ah, le secret. Le premier secret. On avait vu tout à l'heure. On était de l'autre côté, je rappelle. Ok, maintenant je vais pouvoir sauvegarder. En fait, depuis le début, je l'avais le passage. Et c'était moi qui étais bête, hein. J'aurais dû continuer dans mon enchaînement, quoi. Alors attends. Là, il y a un passage. Je peux rien faire. Très bien. Là, il y a que dalle. Bon, je pense savoir où il faut aller. J'ai vu qu'il y avait un interrupteur tout à l'heure. Qu'il y avait un interrupteur. Qu'il y avait une serrure. Donc il va falloir une clé pour ouvrir. Si je ne me trompe pas. Parce qu'on n'a pas de. On n'a rien. À part le serveur. Non. Donc là c'est bon. Là il faut le truc. Donc là, vous voyez, il y a le motoneige. Et je crois qu'on peut s'en servir. Ah, voilà. Est-ce que je peux tirer avec? Avec. Non, pour sortir, c'est pareil que sur... Voilà, c'est pareil que pour le bateau. Parce que je rappelle le bateau dans le niveau de Venise. Économie de munitions directement. Lara Schwarzenegger. Ah oui, je me suis aussi. Génial cette musique. Ah, je trouve très génial, je trouve très bien. Ah, mais oui. Mais aussi, je trouve bien. Ils m'ont eu. C'est pas pratique le M13, la M16 par contre, je trouve. C'est. Ouais, donc on a pu on peut quand même les tout petits ajouts qu'il y a eu pour l'instant. Parce que je rappelle qu'on a la version originelle. Donc pour l'instant, en termes de visuel, je vois pas la différence entre la version que moi j'avais en 97 et je crois que même c'est la version 98 sur PC, je pense. On peut avoir. Et celle-là, c'est depuis le début de ce let's play. Je pense que ça se joue surtout sur les décors.
D'accord. Bon, ça veut pas. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est bon. Voilà. Oui, je suis passé. C'est un peu chaud. Alors. Oh. C'est ça. C'est bien le pousser. Pousser bien. Putain, j'ai passé dessus. Faut que j'ai bien l'espace pour passer. Comme ça, après, je peux pousser de l'autre côté. Sinon, je meurs écrasé. Comme ça, je crois que le truc est là. C'est après qu'on va rigoler, c'est quand on va essayer de monter sur les trucs. Là on va arriver. Ok, encore un petit coup. Voilà, là je pousse sur le côté. Allez là, vas-y. Attends, par contre, je vais continuer mon petit tour là-bas. On va voir si ça va rien. Donc, deuxième véhicule hein, qu'on peut contrôler en plus du bateau, je rappelle. C'est la motoneige. Donc, ce qui est cool, c'est que malgré tout, il y a quand même eu pas mal de nouveautés entre la sortie du premier et la sortie de ce second opus. Il y a eu un an d'écart. Hein. Faut pas le croire, mais il y a eu qu'un an d'écart entre le premier Tomb Raider et le 2. Je crois que le premier est sorti en 96 et le 2 est sorti en 97. Donc c'était très compliqué, c'était très très limite. Ok, je viens de là, non? On va voir ce qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a que dalle. Ok. Putain, ça va être compliqué. On va s'amuser. On va s'amuser, les gars. Ah, les copains, on va s'amuser. Je sens. Voilà. Heureusement que je peux bouger. Hein. Dans certains jeux, ça aurait été plus compliqué. Regardez parce que je sens qu'on va le rendre plein de fois ce passage. Je sais pas pourquoi. Voilà, déjà. Là, c'est bon. C'est là. Il reste là. Je vois des lignes s'amuser sur ce niveau, je le sens.
sais pas pourquoi, mais je la vois s'amuser là-dessus. Allez! Ah, c'est... Ah, je vous ressens, regarde. Là, en fait, je vais monter et descendre à chaque fois pour voir s'il n'y a pas un truc à faire. Sans regarder. Ok, donc là, on est d'accord, il y a que là. Allez, putain, là, par contre, si tu loupes le saut, t'es foutu. Là, il y a des munitions. Ouais, mais je pense que c'est la bonne fois. C'est l'autre façon. Attends, je vais les prendre au cas où. Hein, et puis on va s'arrêter ici pour, parce qu'on avait pas mal de je crois. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Tomb Raider 2 pour le coup. Et on se donne rapidement très. On se donne rendez-vous très rapidement sur YouTube pour les aventures. C'était G pour Geek City. À la prochaine. Ciao, ciao.